Yop tout le monde, c'est Pedro, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les petits potes, je vais vous présenter une application qui va vous permettre de mettre à jour tous vos drivers gratuitement, rapidement et facilement. Donc l'application sera dans la description, donc le lien, ça s'appelle Driver Booster. Donc c'est ça, Driver Booster. Donc Driver Booster c'est un logiciel sur lequel du coup vous pourrez mettre à jour tout ce que vous voulez. Alors certaines choses sont en pro, voilà comme ça par exemple, mais tout ce qui est ici là, c'est du gratuit. Donc il y en a à peu près, je sais pas combien il y en a exactement, il y en a 362, vous pouvez mettre tout ça à jour gratuitement. Donc c'est très simple, pour tout ce qui est du coup mise à jour, c'est il suffit de se rendre en fait, dès que vous lancez l'application, vous aurez en fait un petit bouton au milieu. Il fera une analyse de votre ordinateur et il verra ce que vous avez à mettre à jour en fait. Donc moi pour ma part j'ai déjà mis à jour des choses sur mon ordinateur comme la carte réseau ou encore ça. Et après il m'a proposé tout à l'heure du coup de redémarrer mon ordinateur. Chose que j'ai pas encore faite mais qu'il faut faire. Voilà, donc après bien sûr vous avez encore plein d'autres choses. Vous pouvez aussi passer sur une version pro pour pouvoir mettre à jour aussi d'autres choses comme par exemple Microsoft ou encore Java. Ou des choses avec Nvidia ou du Realtek. Alors moi Realtek c'est tout ce qui est mon effectivement mon casque et mon micro. C'est des choses après qui peuvent se mettre à jour manuellement avec d'autres façons. Mais vous pouvez passer du coup sur du pro. Et après du coup vous avez des tarifs. Du pro vous avez un an pour 3 PC, un an pour un PC, etc. Voilà. Enfin bref, c'est la fin de cette courte vidéo comment mettre à jour ses drivers facilement et gratuitement. Personnellement je vous conseille pas de prendre une version payante, ça sert à rien. Vous avez tout que vous pouvez mettre à jour gratuitement. Il suffit de faire des recherches de mise à jour et vous pourrez tout mettre à jour gratuitement. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. Lien de l'application dans la description. C'est Driver Booster. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Pedro, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, bye.